Salut à toutes et à tous, je suis ravi d'être aujourd'hui dans ce lieu incroyable avec toi, Kim. Bonjour. Ravi d'être là. Bienvenue dans ce village un petit peu hors temps. C'est un village ? On l'appelle village, ouais. Alors c'est pas un village dans le sens où il n'y a pas des habitants à l'année dans ces maisons, mais c'est la reconstitution d'un village qui existait en fait, pas exactement ici, mais au bord du lac. Donc faut imaginer, on le voit pas parce qu'il y a beaucoup d'arbres, mais la Grande Carissée et le lac de Neuchâtel sont à 200 mètres, 300 mètres d'ici. Et en fait, il y a un village néolithique, ça fait à peu près un peu plus de 5000 ans en fait, s'il y avait une présence humaine. Et lorsque ces fouilles en fait, ont révélé ce site, il y a eu la volonté à l'époque, donc quand je dis à l'époque, c'est il y a à peu près 25 ans, de reconstituer ce qu'on savait ou ce qu'on pensait savoir de cette époque-là, pour que les gens puissent se représenter en fait, ces maisons lacustres. Voilà. Kim, toi tu étais là il y a 20 ans ? À peu de choses près, pas tout à fait 20 ans, je suis un tout petit peu... Donc tu as vu la naissance en fait de ce projet ? Alors moi je suis arrivé juste quand les maisons étaient terminées et quand la naissance de toute la partie animation et présentation du village se mettait en place. Donc j'ai animé pendant... Ça a été vraiment mes écoles de jeunes adultes, de mes premières animations, je les ai faites ici. Exactement là en fait, hein. Premières animations feu présentées au public, que ce soit des classes, des adultes, un petit peu de cette vie préhistorique dont on sait quand même pas mal de choses mais qui reste néanmoins mystérieuse. Donc oui, j'ai une attache particulière à ce lieu-là, donc ça me fait plaisir de t'y accueillir parce que c'est un peu chez moi. Et du coup, ta présence ici ou notre présence ici, moi me pose la question, et toi tu te définis comment, quel est ton travail finalement ? Ouais, c'est une bonne question. J'ai pas encore trouvé une façon de le dire à l'emporte-pièce. Mais en quelques mots, on pourrait dire que. Alors, la façon rapide de le dire, je suis un archéologue expérimental, c'est quand même une réalité. C'est-à-dire que je travaille en collaboration avec des archéologues, avec des instituts d'archéologie, pour comprendre. Mon travail vient après la fouille, dont on a un peu l'image hein, qu'on colle, c'est l'image d'Épinal de l'archéologue qui creuse avec son pinceau. Il va retrouver des objets. Pour la préhistoire, on retrouve évidemment pas d'écrits, donc on va retrouver quelques petits objets, un foyer, peut-être des os, des choses comme ça. Et mon travail à moi, en collaboration donc avec ces archéologues, c'est d'essayer dans un premier temps de reconstituer les objets qu'on trouve, donc faire des facsimilés comme on dit, donc vraiment recréer l'objet et retrouver toute la méthodologie qu'il y a derrière, pour vraiment comprendre comment est-ce que les gens finalement arrivaient à l'outillage qu'ils avaient par exemple, et puis ensuite de le mettre en pratique pour voir si vraiment les théories, la compréhension qu'on a de ces sites, est-ce qu'elle corrobore avec l'expérimentation quand on met en expérimentation ? Non, ça c'est un peu froid, c'est un peu scientifique de le dire comme ça. Et je crois que moi j'ai vraiment très vite eu besoin de réformer cette approche-là de notre préhistoire, même de la transcender plus que de la réformer. C'est-à-dire que j'ai l'impression que en fait dans l'archéologie aujourd'hui et dans notre rapport à l'histoire de façon plus générale, à notre passé, selon moi, il manque un questionnement qui nous mettrait en lien direct avec ce passé. C'est-à-dire qu'on a trop un rapport de musée avec notre passé. Comme si les cartes ont été jouées à l'époque, et puis c'est intéressant de savoir ce qui s'y passait, mais aujourd'hui, on a d'autres problématiques. Et puis finalement, ça, c'est des temps anciens duquel on n'a plus envie de s'identifier. Parce que souvent, avec le passé, il y a beaucoup de traumatismes, évidemment. On peut penser, je ne sais pas moi, à la révolution industrielle, avec les usines, je pense à Germinal. Le Moyen-Âge, ça ne fait pas forcément rêver quand on pense aux paysans et leurs conditions de vie, etc., etc. Donc il y a un peu ce traumatisme dans notre culture. Mais en fait, moi, je pense qu'on gagne à s'intéresser à nos origines, et même à nos origines finalement assez lointaines de la préhistoire, parce qu'en fait, en grande partie, nous sommes en tant que société déterminés par ce passé. Et ça détermine notre façon d'appréhender le monde, le présent, le futur, et in fine, nos décisions. Donc pour moi, il y a un vrai travail qui selon moi, n'est pas assez fait, qui est qu'avant de se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire en tant que société, quelles solutions on trouve à nos problèmes, je pense qu'il est vraiment important de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui fait que nous en sommes là.
Et ça, c'est que notre histoire longue qui peut vraiment nous l'expliquer. Donc quelque part, mon travail, c'est, tu vois, c'est en lisière de plein de choses, de la philosophie, de l'expérimentation, de la réappropriation du geste, du savoir-geste traditionnel, quel sens il peut apporter à nos questionnements les plus contemporains. Donc je me sens autant artisan que philosophe, que chasseur, que archéologue, à l'orée de tout ça. Les objets, cette connaissance du passé, elle nous permet de mieux appréhender le présent et le futur. Je crois aussi deviner que ça passe par le geste, par la transmission des gestes. C'est quelque chose qui t'anime, ça. Ouais, alors pour moi, c'est même, je dirais, essentiel. Je pense que nous sommes... on le voit bien, en fait, notre culture moderne, essentiellement, s'exprime dans la matière. On fait des grands gratte-ciel, on fait des immenses avions, on fait du béton, hein, tout va. Enfin, on s'exprime dans la matière comme on ne s'est jamais exprimé. Mais ça, c'est bien issu d'une origine peut-être plus subtile, qui est cet ancêtre loin, loin, loin dans le passé, qui un jour a fait un outil en frappant deux cailloux. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là? Et je pense que de renouer avec ces gestes et leurs origines, parce que ce sont des gestes simples à la préhistoire finalement, par rapport à la complexité, je pense, d'un gratte-ciel pour reprendre cette illustration, de renouer avec cette origine du geste, c'est peut-être retrouver quelque chose d'essentiel ou l'essence de ce qui nous met en mouvement en tant qu'humain, quelque part. Mmh. Et encore une fois, c'est enlever des couches pour aller comprendre qu'est-ce qui nous met en mouvement, en fait, vraiment. Je pense qu'on est en partie aveugle de ça. D'autant plus que dans notre culture, dans notre société où tout s'accélère, quelque part, on a peut-être de moins en moins l'occasion de se retrouver à un tempo qui serait celui du temps long, qui est le seul qui permette d'appréhender ce retour au geste, à la gestuelle. Mais avec le geste, une chose que j'ai pas mentionnée, qui me semble tout aussi importante, c'est qu'en fait, l'autre facteur qui est intéressant de la préhistoire, c'est celui de la proximité avec ce que nous nommons nature. C'est pas un mot que j'utilise beaucoup, moi. Je préfère parler de monde sauvage, monde domestique, c'est juste mon lexique. Mais en fait, si on remonte il y a 6000 ans, par exemple, on avait encore des chasseurs-cueilleurs en Suisse, le Mésolithique, comme on l'appelle. En fait, on avait vraiment, c'était un peu nos Amérindiens, nous, si on veut bien. C'est les derniers chasseurs-cueilleurs d'Europe occidentale qui étaient vraiment des nomades, chasseurs-collecteurs et qui étaient complètement insérés dans une nature sauvage. Donc il y avait vraiment, on peut dire qu'il n'y avait pas de scission entre ce que nous appelons nature et l'homme. D'ailleurs, je suis sûr que si on pouvait avoir un de ses ancêtres avec nous, le mot nature serait problématique pour lui parce que chez nous, quelque part, la nature, on l'oppose à la culture, on l'oppose donc à l'humain. On extrait l'humain dans notre représentation, alors qu'eux, ils étaient complètement dedans. Et ça, on peut le savoir en se promenant un petit peu là où il y a encore des peuples racines sur Terre qui ont tous en commun ça, en fait. Ces traditions-là ne voient pas du tout de scindement entre l'humain et la nature. C'est un tout, nous sommes partie de la communauté du vivant. Et je pense que de retrouver les gestes premiers, mais qui sont peut-être aussi simples que de la vannerie ou que de faire un arc à un enfant quand on se promène. Enfin voilà, c'est des gestes qui nous rapprochent d'un essentiel. C'est une façon de se réapproprier ce lien à la nature, ce lien à nos origines, mais à nos origines du vivant plus largement, pas que l'origine humaine. L'origine du... Moi, j'aime bien utiliser le mot communauté du vivant, qui me semble plus chaleureuse que environnement. On va pas se promener dans l'environnement, on va pas avoir un coucher d'environnement. C'est pour ça que le mot environnement me dérange à cet endroit-là. Les Espagnols ont medio ambiente, le milieu ambiant, qui déjà remet un peu plus de quelque chose de l'ordre du foyer, quoi. Donc j'aime bien ça, mais je crois que c'est ça ma dynamique dans la vie. J'aime donner les outils, si possible, aux gens pour que les personnes puissent se sentir à la maison dans la nature. Je pense que c'est vraiment une clé. Quand on arrive à ça, à partir de là, on ne prendra plus les mêmes décisions. On ne sera pas d'accord de couper une forêt pour mettre un énième parking, quoi. Si dans cette forêt, on a allumé un feu, on a récolté quelques plantes, on a passé une nuit à y dormir avec ses enfants, clairement, on aura développé une affinité qui déterminera de façon tangible les décisions qu'on prendra dans notre rapport avec cette nature. C'est passionnant de t'écouter. Je me demande si cette vision, tu l'as depuis que tu es papa. Parce que je sais que tu as deux filles. Ouais. Est-ce que tu l'avais déjà avant? Et plus largement, comment toi, tu te positionnes
dans ce système entre sauvage et domestique? Oui, c'est intéressant. C'est deux questions qui se retrouvent, mais qui sont quand même assez différentes. Alors, évidemment, d'être papa, comme tout parent le vit, ça rebrasse les cartes, ça nous oblige à nous redéfinir, à recartographier quelque part notre réalité, c'est sûr. Et donc, c'est un agent précipitant d'avoir des enfants, clairement. Ça amène des priorités, ça ôte ce qui n'est pas nécessaire. Donc, dans ce sens-là, oui. Après, moi, ce rapport familier à l'espace sauvage, je l'ai depuis enfant. Parce que j'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui vivait en lisière de forêt, qui avait vraiment, à son époque déjà, avec sa compagne, qui n'est pas ma grand-mère, ils avaient vraiment eu ce déclic de dire la course à l'argent, la carrière, on n'a pas besoin de ça, on n'a plus besoin de ça. Et puis on veut une vie simple, où on a un jardin écologique. Enfin, à l'époque, le bio n'existait même pas. On parle des années 70, 80, quand ils ont commencé cette démarche. Moi, j'ai grandi avec ce grand-père qui avait beaucoup de temps à me consacrer, parce qu'en fait, vie simple, peu de travail, peu de besoins financiers. Donc pas beaucoup de besoin de travailler. Et cette disponibilité d'un adulte en milieu naturel, clairement, a déterminé quelque chose. J'ai jamais eu l'impression de devoir, par exemple, réinvestir des peurs fondamentales qui seraient des barrières. Moi, je les ai juste jamais eues, grâce à ce grand-papa, notamment. Donc c'est quelque chose qui est ancien dans ma vie. C'est sûr que ça m'a en partie défini. Et puis, tu me demandais comment je me situe par rapport au monde sauvage, au monde domestique. Je dirais que j'ai peut-être tenté sagement de suivre la voie qui m'était proposée en tant qu'enfant dans la Broye. J'ai grandi sur le plateau suisse jusqu'à presque mon âge adulte, à tenter de répondre à cette idée qu'il faut une carrière, qu'il faut faire une formation, et je crois que bravement j'ai essayé de m'y conformer, mais il y a quelque chose en moi qui hurlait de quelque chose de plus essentiel en fait, plus vivant, je crois, en tout cas c'est ma perception à l'époque. Et il y a un virage qui s'est opéré et que les trans correspond à ce moment dans ma vie où avec une formation en archéologie à laquelle j'ai coupé court à un moment donné, c'est-à-dire je travaille dans mon domaine, et j'ai même pas été jusqu'au bout du cursus parce que j'étais trop en soif de me mettre en pratique, quoi. Puis que c'était fini les bancs d'école, les universitaires, c'était pas possible. Et que les trans a pu m'accueillir avec cet élan et les connaissances que j'avais pu acquérir. Donc le virage, il est là, à ma vingtaine, quelque part. C'est d'ailleurs l'incendie de ma maison, bêtement, qui a vraiment, encore une fois, été un agent précipitant, qui m'a dit, mais là, du coup, mon chemin, c'est... Moi, je sais ce qui est bon pour moi et ce que je peux donner de mieux à ma société. Encore, quelle est-elle, cette société, mais en tout cas... Et en fait, je vais suivre ça, je vais suivre cet élan. Et en fait, pour l'instant, la vie me le rend bien. J'ai bien fait de faire ce virage, en fait. Ça marche bien. Je me pose la question de ton mode de vie, de ton rythme de vie, parce que je sais que tu passes une partie de ton temps au Canada et une autre partie de ton temps en Suisse ou en France. Tout à fait. Et je me vois passer quelques temps ici. C'est ouvert. Et donc ce rapport au sauvage, pour moi, j'ai bien aimé ce que tu as dit, enlever les couches tout à l'heure. Je vois une guêpe ou une araignée chez moi. Je l'invite est-ce que je la tue? Est-ce que je l'invite à sortir? Est-ce que je me pose la question pourquoi elle est là? Qu'est-ce qui se passe? Tiens, voilà. Et finalement, plus largement, ma question pour toi, Kim, c'est quoi le rapport du sauvage dans nos vies aujourd'hui? C'est pour moi la question centrale aujourd'hui, je dirais. C'est un questionnement que j'ai constamment. Donc tu mets le doigt pile sur mon intérêt, ma curiosité, cette soif de répondre à cette question. Notre société moderne, je pense, est aveugle à cet endroit-là. J'aime bien dire, c'est notre angle mort. Quand on conduit, on a un angle mort. On le sait. On sait que là, on peut pas voir, quoi. Et j'ai l'impression que dans notre société, c'est presque comme si on ne le savait même pas, mais on en a un d'angle mort. Et pour moi, cet angle mort, c'est le rapport au sauvage. Mais il faut peut-être, avant même d'aller plus loin, il faut peut-être définir ou redéfinir qu'est-ce que le sauvage. Parce que c'est vrai que moi, j'aime bien utiliser ce mot, mais ce mot est aussi connoté de plein de façons. Donc il y a peut-être là un petit quelque chose à dire qui est que... mais déjà, pourquoi c'est un mot un peu péjoratif, le sauvage? En tout cas, quel sauvage celui-là? Enfin, on va l'utiliser pour...
C'est parce qu'en fait, dans notre culture moderne, où finalement on s'acharne, j'ai l'impression, à vouloir contrôler les choses, et quelque part, on n'y peut presque rien, c'est quasi dans la nature de notre culture de vouloir contrôler. En tout cas, on répond aux problématiques nous entourant par l'idée qu'en les contrôlant, ça ira mieux. Eh ben, le sauvage, c'est ce qui échappe à ce contrôle, très clairement. Et c'est pour ça que je mets sauvage domestique en miroir. Parce que finalement, le monde domestique, c'est la ville, c'est le monde moderne, c'est le champ. C'est là où on a vraiment tenté de contrôler, de cadrer, de faire en sorte que ce qui se passe à cet endroit-là, l'histoire qui se déroule, c'est nous qui en sommes les gardiens du déroulement, du tempo, de tout ça. À l'inverse, le sauvage, c'est ce qui échappe évidemment à notre contrôle et qui donc, pour notre culture, ne peut dans un premier temps qu'être perçu comme ennemi de la stabilité, si on veut bien. C'est le chaos, c'est ce qu'on contrôle pas, ça va pas en fait. Je pense qu'dans le milieu campagnard dans lequel j'ai grandi, il y avait des éléments très forts, enfants, qui pour moi étaient la preuve de ça. C'est qu'en fait, on fait un carré de champs de colza. Et en campagne, on va dire que c'est de la nature, et puis c'en est, hein. Je veux dire, évidemment, il y a la force vitale qu'elle a. Si une plante sauvage s'invite dans ce champ-là, ça devient une mauvaise herbe. Donc clairement, dans notre représentation du monde, parce qu'elle est venue toute seule sans nous demander, elle est mauvaise. Ça montre quand même un jugement fort et une représentation de nos valeurs. Un sanglier qui vient bouffer dans un champ de pommes de terre, c'est un nuisible. Alors que, in fine, la nature, elle n'en a rien à cirer de qui est le propriétaire. Un champ, c'est juste en fait un bout de terre qui ne demande que à devenir de la biodiversité. Et la nature va s'acharner à amener cette biodiversité. Et nous, on fait de la monoculture, donc on va s'acharner à... Et donc cette lutte, vraiment, entre le domestique et le sauvage, moi, je pense que c'est une clé. C'est plus qu'une clé, c'est une nécessité aujourd'hui dans toute notre problématique environnementale, sociétale. Si on ne se pose pas vraiment la question de comment cesser cette lutte, en fait, alors on va continuer, même si on a des bonnes intentions, notre culture dans son déploiement continuera de détruire et de se battre contre le sauvage. Dans le lexique de notre rapport à la nature, il y a quelque chose de l'ordre de la lutte, du combat, de la guerre, en fait. Je sais que ça peut paraître un peu excessif, mais encore une fois, on peut scinder ce que les gens vivent quand ils vont se promener en forêt et qu'ils renouent à leur façon vers quelque chose d'essentiel. Et sans doute que cet état-là est juste, enfin aligné, dans une certaine harmonie. Ça n'empêche pas que la société globale, elle est en train de grignoter le sauvage, quelque part. Donc pour moi, si on ne réinvestit pas ça, on va juste continuer de se heurter encore et encore et encore à des murs toujours plus grands. Et peut-être malheureusement, mais j'ai espoir, je suis optimiste quand même, aujourd'hui, cette crise environnementale, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore opéré cette vraie question. Elle n'en est pas là, en fait. Parce que quand on dit juste la réponse à nos problèmes écologiques, c'est un panneau solaire, on oublie de se demander d'où vient le panneau solaire, où on va le poser, qu'est-ce que ce panneau solaire va détruire aussi à sa façon. Et donc, on échappe à ce vrai questionnement qui est quel est notre rapport avec le vivant que nous ne contrôlons pas. Et comment est-ce qu'on pourrait l'accueillir plutôt que de se battre avec lui. Et pour toi, ça passe par une connaissance de notre passé. Ce côté un peu conquérant, je t'impose ma vision du monde. Je pense aux conquêtes des Amériques, par exemple, où j'arrive avec ma religion parce que c'est moi qui ai raison. Je vais conquérir le sauvage. Ah, il y a des sauvages ici. Ouais. Donc cet aspect-là, il est fondamental. Ouais, alors effectivement, je pense que de comprendre pourquoi on voit le monde comme ça, pourquoi on voit cette dichotomie en fait entre notre modernité et le sauvage, pourquoi le sauvage est si teinté de connotations négatives. Pour le comprendre, il faut comprendre nos origines à cet endroit-là, ou peut-être mieux dit encore, l'origine de notre civilisation. Et puis, alors moi, mon rôle à moi, ou celui que j'ai voulu prendre et que la vie m'autorise à avoir, c'est celui de dire qu'est-ce qui s'est passé encore avant cette civilisation. Parce que pour nous, c'est vraiment de l'ancien. Je l'ai glissé avant, les chasseurs-cueilleurs qui vivaient ici, mais tu vois, il faut remonter 6-7 000 en arrière. Il n'y a pas d'écrit, très peu d'éléments tangibles.
Ces gens-là, d'ailleurs, ne sont même pas beaucoup nos ancêtres, puisqu'en fait, nous, la majorité, en tout cas pour un Européen qui serait d'une famille souche, est majoritairement génétiquement associé aux paysans qui, eux, ont migré. Ouais. Donc, il y avait déjà eu une colonisation, en fait, de la c'est Suisse, ça, c'est quelque ça. Part. Ouais. Donc, tout ça, nous, en fait, pour moi, c'est intéressant d'aller essayer de gratter vers c'est qui ses ancêtres ou ses cousins ancêtres qui étaient justement les Amérindiens d'ici, quoi. Et puis sans doute qu'on peut faire une meilleure approche de ce lointain passé en allant voir là où il y a encore de ces peuples-là. Et moi, c'est pour ça que je suis parti au Canada, tu l'as brièvement mentionné, mais en fait, je ne suis pas parti au Canada pour fuir une Suisse qui m'aurait asphyxié. J'adore mon pays, j'aime vraiment notre histoire, je me sens en lien avec ce territoire-là qui m'a vu grandir, quoi. Je suis enfant à jamais de cette région, si on veut bien. Mais j'ai eu besoin d'aller au Canada pour retrouver des peuples que nous n'avons plus, pour tenter de voir dans quelle mesure leur lutte, leur vie au quotidien, leur tentative de coexister dans leur singularité avec quand même une civilisation, enfin un pays dominant qui est quand même une colonisation. Comment est-ce que toute cette problématique et leur vie, leur quotidien, peut nous éclairer sur ces ancêtres qui nous éludent quelque part parce qu'on a la peine à les percevoir, en fait. Et c'est intéressant, ici à Glétrance, en fait, on représente le néolithique, les premiers paysans. Et là, tout d'un coup, on a, comme les gens sont sédentaires, ils ont plus de matériel, eh ben, on connaît mieux l'archéologie. Donc, quelque part, c'est plus facile de se représenter ces premiers paysans qui étaient ici au bord du lac que juste avant ces chasseurs qui sont furtifs, en fait. Autant dans leur quotidien, ils l'étaient, qui le sont dans notre tentative de les observer, en fait. En gros, si beaucoup de gens s'occupent à trouver des solutions, je dirais que moi, j'essaye avant tout de tenter un discernement. C'est ce qui m'intéresse. Je me cantonne à ça, je laisse les solutions pour les autres, mais j'aime essayer d'apporter du discernement et de la clairvoyance sur qui nous sommes en tant que société et qu'est-ce que ça implique. Quand je me promène et puis je vois une rue bien bétonnée avec une plante qui je me dis mais elle a percé le béton, le ouais. Vivant est plus fort que tout. Ouais. Alors je me demande comment on pourrait amener un petit peu plus de vivant dans notre quotidien en imaginant qu'on n'habite pas tous ici. Est-ce qu'il y a des choses qui deviennent des gestes simples ou une façon de voir les choses En fait, la clé, elle vient de toi, les aventuriers du vivant. Tu vois, ce que m'évoque ce mot-là, on peut prendre un petit temps là-dessus, parce que je pense que c'est une réalité. Être aventurier, c'est quoi? C'est se mettre en danger. Mais se mettre en danger comme étant une façon saine, en fait. C'est aussi augmenter son acuité, parce que si on est aventurier, il faut qu'on soit attentif. Rien n'est certain. Les choses peuvent nous échapper, il peut y avoir du danger, il peut y avoir des problèmes. Enfin, voilà. J'aime cette attitude-là. Elle nous pousse à déployer le meilleur de nous. Quand on est en aventure, quand on est dans une certaine mise en danger, on est obligé de déployer le maximum de nos capacités. Donc ça nous met forcément dans une acuité qui est propice à vraiment l'observation et la rencontre, au lieu, par opposition, d'être un peu endormi dans quelque chose qui est d'une sécurité où on n'a plus besoin de lever les yeux finalement, parce qu'il n'y a rien qui peut nous arriver. Donc pour moi, c'est cette posture-là d'aventurier, je pense que c'est la première chose. Quand on se met dans cette posture-là, on s'aperçoit que le rapport au sauvage, il peut être dans un HLM, il peut être dans un immeuble en pleine ville, il n'y a pas de limite, parce qu'il n'y a pas, encore une fois, de dichotomie. La nature, elle est partout, tu l'as exprimé avec cette plante sauvage qui perce le béton. Tout est nature, quelque part, même nos villes. C'est bien sorti de cette matière, elle ne tombe pas dans notre univers, quoi. Le béton, tout ça, on l'a extrait de notre terre. Donc, la question pour moi, elle ne se situe pas à cet endroit-là. Qu'est-ce qui est naturel ou pas, encore une fois? C'est qu'est-ce qui est en équilibre dynamique, comme une forêt, qui spontanément est en équilibre dynamique, et qu'est-ce qui est atrophié, si on veut bien. Et nous, clairement, on a tendance, par nos villes, par exemple, à atrophier un écosystème. Mais l'écosystème, il cherche à revenir toujours. Cette biodiversité, elle, comme tu dis, la nature est plus forte, dans le sens où cet élan sauvage, c'est celui vers quoi la vie tend. Donc,
on se fait tôt ou tard grignoter quand même, quoi. Et c'est chouette, moi j'aime bien. Mais on peut devenir des émissaires de ça. Moi, quand je suis en ville, j'aime bien me dire qu'en fait, je suis un émissaire du sauvage, quoi. Je vais aller saluer cette plante qui a réussi à percer le béton. J'aime infiltrer le monde domestique. En fait, je l'observe dans... Il y a plein d'autres infiltrés. Quand tu regardes des pigeons ou des moineaux, c'est encore mieux. Ce sont des infiltrés, dans le sens où ce sont des animaux sauvages qui savent redéployer une stratégie sauvage en pleine ville. Et ils ne se posent pas tant de la question de savoir si ce qu'ils mangent, c'est naturel, sain ou pas, mais de leur façon, ils ramènent un bout de sauvage là où sinon ce serait triste et atrophié, quoi. Et nous, on peut être porteur de ça. Donc c'est une attitude, une posture d'infiltré, d'aventurier, d'oser casser en fait tout ce qui est un peu moribond et qui manque de vitalité. Je me suis amusé à demander à des enfants ce que ça évoquait le mot aventurier. Mmh. Et on peut être qu'aventurier quand on est en Amazonie. Et, voilà. Et moi, j'aurais dit, mais est-ce qu'on peut pas être aventurier dans votre village? Mmh. Et est-ce qui ouais, est sorti de ça, c'était instinct, intuition. Ouais. Parce que quelque part, tu dis, je suis dans un immeuble, comment je peux remettre plus de vivant, mm-hmm. plus d'aventure dans mon quotidien? Mm-hmm. Et c'est ça que j'aurais comme question, peut-être, pour oui, concrètement, quoi. Concrètement, je me dis, comment amener plus de vivant avec cette intuition, mm-hmm. cet instinct à revenir, ouais. À infiltrer ces mm-hmm. programmations et ces... Ouais. Alors bah, moi, ce qui me vient en tête, mais je pense qu'il y aurait une diversité de réponses à cette question géniale. C'est certain. Mais moi, comme ça vite fait, les premières qui me viennent, c'est ça, c'est parce que je suis aussi un chasseur, donc c'est la traque, quoi. En fait, en étant en acuité, tout d'un coup, on peut être une espèce de chasseur, quoi, dans la société, observer les choses qui sont incroyables, essayer de comprendre ce qui se passe. Par exemple, moi, je le fais des fois, hein, je m'assois sur un banc en pleine ville. Je me mets à vraiment observer qu'est-ce qui est en jeu, qu'est-ce qui se joue en fait sous mes yeux, que je ne vois pas en temps normal parce que ça paraît être juste le quotidien. Puis du coup, on prend plus le soin de s'intéresser à vraiment ce qui est en jeu. Mais si tu te mets dans cette posture, déjà cette observation-là va nous donner mais une tonne d'informations, des petits trucs de fou, observer le comportement de ces animaux urbains. Et puis, donc ça, c'est une première chose, je dirais. J'ai l'impression que cette acuité nous amène déjà à reconnecter avec nos capacités sauvages, si on veut bien. Et puis après, plus concrètement, alors moi, je suis en faveur et militant pour un temps avant les gilets jaunes en France, je le disais, mais ça marche toujours avec les gilets jaunes. Je disais, mais réinvestissons les ronds-points, mais d'un point de vue sauvage. Moi, sur des grands ronds-points, je suis allé passer une nuit avec mon sac de couchage au milieu d'une forêt sur ces grands ronds-points, par exemple. C'est une façon, en fait, on peut, c'est un grand jeu, en fait. Puis c'est là, encore une fois, l'aventurier, c'est ça. C'est qu'en fait, on peut vraiment décider de voir complètement différemment ces structures urbaines et tout ça. Et puis après, il y a quand même plein de petits bosquets, de petits coins de forêt, où là, on peut aller vraiment faire le plein de chlorophylle. Ici, on entend, en fait, Glatrans, finalement, sur la carte, n'est pas très loin de plein de villages et de villes. Mais pourtant, ici, c'est la foire aux oiseaux. Enfin, là, ça chante partout dans la lisière. Mais la clé, le dénominateur commun, je crois qu'avant tout, c'est le temps. Plus que tout, plus que le milieu, parce que finalement, on voit qu'on peut être aventurier n'importe où, que la nature peut s'exprimer n'importe où, que nous pouvons être en lien avec ça n'importe où, avec ce vivant. Mais il y a une clé nécessaire, c'est la temporalité. Ça ne peut pas être fait dans le stress qui souvent malheureusement est généré par notre société moderne. Alors là maintenant, on a peut-être l'occasion d'un frein qui peut nous montrer qu'effectivement avec une temporalité différente s'ouvrent des possibles qui ne sont pas là sinon en fait. Donc il y a vraiment ce rapport au temps, je crois, lui est non négociable. Cette profondeur dont tu parles, c'est aussi ralentir. Oui. J'ai l'impression que la nature fonctionne... Il n'y a pas de priorité, il n'y a pas de stress. Mm-hmm. Elle fonctionne pas, parce que tout est organisé pour que ça fonctionne. Donc il n'y a pas besoin de se créer plus de questions que ça. Ouais, ouais. J'ai l'impression que c'est surtout à celles et ceux qui nous regardent une invitation à ralentir, une invitation à sentir plus son intuition, son instinct. Ouais.
à redéfinir peut-être des mots. On a parlé de sauvage, domestique, j'ai beaucoup aimé ça. Et puis, je vois que ce vivant qui m'anime, qui anime chacun de nous, ça peut être aussi regarder attentivement chaque jour comment une petite fleur dans son pot, sur son balcon, peut vivre. Kim, est-ce que tu aurais un mot de la fin, en fait ? Quelque chose, un message, tu te sentirais porteur pour les générations présentes. Comme ça me vient en tête cette idée d'avant de se projeter dans des solutions, dans vouloir trouver, faire des projets, finalement dans s'exprimer, tu vois, dans quelque chose qui est finalement qui est un réflexe moderne de toujours vouloir solutionner les choses. Et ça va faire écho avec ce que tu dis, c'est-à-dire ralentir. Ralentir, c'est aussi se donner la possibilité de prendre un temps d'observation avant de faire quoi que ce soit. Je dirais que si j'avais un message, ce serait celui de l'intention. Je pense vraiment qu'on gagne à travailler une intention, quelle qu'elle soit. Mais ça peut être sur n'importe quoi. Qu'est-ce que je vais faire à souper ce soir ? Est-ce que j'ai envie de changer ma carrière professionnelle ? Enfin, mais si on travaille cette intention, qu'on prend le temps de lui donner un espace, alors ensuite, elle va presque d'elle-même générer une action qui sera alignée. À l'inverse, toute action qui serait précipitée et dont on n'aurait pas porté un soin à l'intention va sans doute prendre des virages, des directions qui n'étaient pas du tout anticipées ou souhaitées. Donc s'il y avait jamais un mot, ce serait celui-là, c'est profiter d'un ralentissement pour vraiment porter un soin à nos intentions. Avec cette posture-là, on fait peut-être moins de choses, moins vite, mais je pense qu'elles sont beaucoup plus alignées et donc beaucoup plus puissantes quand elles se mettent en marche, quoi. Voilà, je pense que ce serait mon souhait, en tout cas. C'est mon souhait pour notre société et mon conseil, si on veut bien. Merci. Et puis, je te mets une phrase clé parce qu'elle va avec ce que tu as dit au début. C'est qu'en fait, c'est une phrase qui m'accompagne beaucoup. Découvrir, c'est enlever des couches. Découvrir, c'est vraiment ça. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre aussi, de se défaire un peu de beaucoup de choses qui peuvent nous peser. Voilà. Merci pour ce temps de partage qui est précieux. Je souhaite que nos échanges et nos inspirations inspirent des aventures à nombreuses personnes. Je serai en tout cas très au fait de me tenir moi-même au courant de tes aventures pour la suite. Ouais. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle continuation à vous. Et puis testez toutes ces aventures. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Très clairement. À bientôt. Et merci Benjamin d'être venu jusqu'ici. Et à bientôt. Merci de me faire découvrir tout ça, c'est chouette. Je crois que je vais refaire encore un petit tour, peut-être essayer de faire du feu. À bientôt.